Bruce Lee disparaît aussi brutalement qu'il est apparu. Le 20 juillet 1973, quelques semaines avant la sortie d'Opération Dragon, il décède d'un œdème cérébral causé par une réaction allergique à des antalgiques. Le monde entier est sous le choc et Hong Kong connaît alors le plus grand deuil public de son histoire. Avant sa mort, Bruce Lee tournait son cinquième film, Le jeu de la mort. On le voit pendant 11 minutes et 7 secondes, durant lesquelles il se bat notamment avec 3 maîtres de styles différents. Ce que Bruce Lee essayait de montrer dans Le jeu de la mort, c'était comment se débrouiller face à des boxes différentes. C'est un artiste martial qui se bat contre des gens qui ont des styles de combat différents et à chaque fois, il doit triompher. Donc pour cela, vous devez savoir vous adapter. Vous ne pouvez pas adopter la même approche pour régler des problèmes différents.